voulez bien. Si vous aimez ça, quand même, c'est très bien parce que c'est là pour l'appartement 28. Et bonsoir à tous. Après l'effort, le réconfort, ce soir nous nous retrouvons pour un épisode cuisine. Je vous propose de réaliser ensemble une recette appelée samsa. C'est une pâtisserie orientale. Pour cette recette, il vous faudra 100 g de sucre, 200 g d'amandes, un blanc d'œuf, un peu de fleur d'oranger, un peu de cannelle et du sucre vanillé. J'ai disposé tous mes ingrédients dans un saladier. Du coup, maintenant, je vais mélanger tous mes ingrédients et verser au fur et à mesure la fleur d'oranger. Il faut à la fin obtenir une pâte. J'ai récupéré mes feuilles de briques, je les ai découpées au ciseau en deux. Et du coup, maintenant, on va pouvoir commencer la préparation pour le pliage en forme de triangle. Du coup, je prends mon blanc d'œuf, je badigeonne. J'ai pas de pinceau, donc je fais un petit peu comme je peux. Mais théoriquement, plus pratique, on va dire, avec un petit pinceau de cuisine. Ben, j'ai digéré mon dessus. Je retourne. Je prends une petite boule de pâte d'amande. Je plie ma feuille en deux. Je dépose à l'extrémité ma pâte. Et je replie en forme de triangle. Et hop. 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 Et voilà, on arrive à cette étape. On met un petit coup de blanc d'œuf. Et on passe délicatement à l'intérieur. L'extrémité. Et voilà, j'ai mon triangle qui est formé. Du coup, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais faire le restant de ma pâte. Je vais couler en forme de triangle et je vous montre après. Arrivé là, deux choix s'offrent à nous. Ou les disposer dans une friteuse et les faire cuire dans un bain d'huile. Ou les disposer dans un plat et les mettre au four. Moi perso, je choisis la solution four pour éviter l'apport en matière grasse. Que tu prennes le temps, tu ne
C'est celui de ma main. Les souvenirs du passé ne vont rien t'apporter. Les souvenirs du passé ne vont rien t'apporter. Tu te lamentes tout en souriant. Oublie tes chagrins, puis suis-moi. Le silence en dit long.